Bienvenue sur Livre pour enfants noirs. Aujourd'hui, nous allons lire Lola lit pour Léo. Une histoire écrite par Anna McQueen, illustrée par Rosaline Birchow, traduite et lue par Livre pour enfants noirs. Lola lit pour Léo. La journée de Lola se termine toujours par une histoire. Ce soir, sa maman va lui lire l'histoire d'une petite fille qui accueille son nouveau petit frère. La maman de Lola est aussi enceinte. Lola va être une grande sœur. Lola et sa maman lisent très souvent ensemble. Lola choisit des histoires que le bébé va aimer. Le papa de Lola fabrique de nouvelles étagères pour mettre les affaires de bébé. Lola arrange ses livres. Certains sont pour le nouveau bébé et d'autres qu'elle gardera. Un jour, le nouveau bébé arriva. C'est un petit frère pour Lola. Il s'appelle Léo. Lola lui amène des livres en tissu pour son berceau. C'est le cadeau parfait. Léo pleure beaucoup. Lola veut le faire sourire, alors elle lui raconte une histoire. Mais il se trouve qu'il avait juste faim. Lola ramène sa meilleure histoire d'ours pendant que maman nourrit Léo. Lola et maman lisent l'histoire ensemble. Parfois, Léo crie lorsqu'il a besoin d'être changé. Lola lui lit alors sa meilleure histoire où on change un bébé. Parfois, il pleure dans le bain. Lola lui lit alors sa meilleure histoire de canard. Parfois, Léo crie lorsqu'il est fatigué. Lola lui lit alors sa meilleure histoire du coucher. Elle chante pour Léo et il s'endort. Le nouveau petit frère de Lola dort beaucoup. Lola adore jouer avec des nounours pendant que Léo dort. Être une grande sœur, c'est beaucoup de travail. Alors, parfois, Lola aide maman. Parfois, Lola aide aussi son papa. Le nouveau bébé garde tout le monde très occupé. Mais ils ne sont jamais trop occupés pour lire une histoire à la fin de la journée, pour la meilleure des grandes sœurs. Voilà, c'est fini. C'était Lola lit pour Léo sur Livre pour enfants noirs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner. À dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bye bye!